Moi, j'en avais 5 millions à traiter par an. Mais bon, elle nous faisait tourner. Jusqu'en 2002, hein, on n'avait pas de déficit, alors donc on nous faisait vivre. Alors, en 1904, elle portait le nom de la laiterie coopérative de Saint-Pierre-de-l'Île. Oui, et là? Et alors, après, en 1910, ils ont changé le nom et portent le nom de la laiterie coopérative de la Fontaine des Veuves. Ça a été la fortune, disons, de la commune de Saint-Pierre-de-l'Île. Comment vous dire ça? C'était quelque chose d'ici, quoi. Moi, je la vois de chez moi, que voulez-vous. Je vois les bâtiments maintenant, mais c'est plus la laiterie. Il n'y a plus le défilé de tout ce qui passait avec les camions. Il y avait de la vie. Ça vivait, quoi. C'était vivant. Puis maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Pour moi, c'est quelque chose comme quand l'école s'est arrêtée, quoi. J'ai ce même chagrin, disons. Il y a beaucoup de clients qui nous disent où c'est qu'on va prendre notre beurre? Où c'est qu'on va prendre notre beurre? À ce moment-là, la Fontaine des Veuves était au top de sa renommée, puisque les critiques culinaires tels Vincent Fergniaud nous avaient fait passer à Télématin. C'était un peu notre heure de gloire, être reconnu avec notre si bon beurre dans une émission comme celle-ci. D'autres critiques nous citaient aussi, tels Jean-Pierre Coff. Et enfin, nous avions des clients aussi prestigieux que Ducasse. Bref, à ce moment-là, tout allait très bien pour la Fontaine des Veuves. Rien ne pouvait laisser présager que 3 ans plus tard, la laiterie allait fermer ses portes. Les causes de l'arrêt de la laiterie sont malheureusement assez simples. Une laiterie comme la Fontaine des Veuves fonctionne avec 2 produits, donc le produit phare qui est le beurre et le sous-produit qui est le lait écrémé. Avec ce lait écrémé, on fabrique des poudres de lait qui servent soit à l'alimentation animale, soit à l'alimentation humaine. Et les cours de ces poudres de lait se sont effondrés en 2001. Pour ne jamais remonter. On avait déjà connu des périodes de creux au niveau des poudres de lait qui duraient 6 mois, mais jamais 2 ans à suivre, et voire 3, puisque maintenant ces cours ne sont jamais remontés. C'est-à-dire en gros, sur 1 litre de lait qui est payé 2 francs, vous avez 1 franc 20 qui était dû au prix du litre de lait écrémé. Et ce prix du litre de lait passait de 1 franc 20 à en dessous 1 franc. Vous voyez la perte pour une laiterie comme la nôtre, qui travaillait 5 millions de litres de lait. Vous multipliez 5 millions de litres de lait par 20 centimes de francs et vous avez tout de suite une perte très importante, autour de 1 million de francs. Une structure aussi petite que la nôtre, qui devait travailler un produit frais, notamment travailler à la main, nécessitait énormément de main-d'œuvre. Pour 5 millions de litres de lait, nous avions 7 salariés. Une autre laiterie pour 25 millions de litres de lait a 11 salariés. Si on proratise les 2 choses, on voit bien que notre laiterie ne pouvait que difficilement tenir. Mon problème principal était d'assurer une paye de lait aux producteurs. Il fallait savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes un groupe d'agriculteurs qui devons vivre de notre métier, donc traire des vaches et avoir une paye de lait au bout. Les restes, ça ne servira plus. C'est dommage. Comme on dit, l'esprit de la fontaine s'envole en fumée. Beurre tradition, on moule les mains. On le moulera plus à la main, celui-là. Onze années passées ici, pas 11 années qui s'envolent. On dit c'est pas en pleurer, mais bon. Il y en a qui disent c'est la vie. Moi je dis c'est l'ennui. Dommage. C'était une bonne boîte. Oui Bruno, c'était une bonne boîte ta laiterie. C'était une belle histoire aussi. Toutes les belles histoires commencent par une légende. Et chacun sait que les légendes n'ont pas de fin. We'll be right back.
Saint-Pierre-de-Lille, pendant la guerre de Cent Ans, que du Guesclin, venu chasser l'Anglais et libérer les cités et châteaux de la contrée, découvrit les cadavres de 6 femmes près d'une source. Il apprit que ces femmes furent assassinées par l'occupant car elles avaient prié la mort de leur bourgeois de mari et demandé à Dieu la victoire des armées françaises. On raconte que les larmes des veuves changèrent l'eau de la source en cristal le plus pur. C'est ici, pour ne jamais les oublier, qu'on bâtit en 1904 la laiterie, dont les effluves crémeux apaisèrent leur chagrin. Voilà, alors vous avez ici Monsieur et Madame Babou. Monsieur Babou était le directeur de la laiterie à cette époque. Oui, ma bonne mamie Brie, on s'en souvient de cette époque. C'est un peu à cause du phylloxéra qui détruisit la totalité des vignobles que cette région est devenue laitière. 11 laitiers faisaient alors la tournée en charrette à cheval. La laiterie fonctionnait au charbon. En 1928 est venue s'ajouter la caséinerie, qui apportera un complément de finances non négligeable, puis la porcherie et la vacherie, qui n'ont pas elles non plus survécu. La coopérative ressemblait à une grande famille. Les gens des villages alentours venaient y chercher du bon lait entier, pour le café du matin, les crêpes des enfants. Le beurre, quant à lui, était comme une promesse de goûter entre pain d'épices et tartines de confiture de figues. On s'en souvient du ronronnement des machines et de la paix des étables. On s'en souvient du petit chat gourmand qui ne se soucie ni du livre refermé, ni du temps qui passe. Et les vaches, elles s'en souviennent aussi du temps qu'il fallait au temps. Elles broutaient, impavides, sous la caresse du soleil, et les prés étaient gorgés de trèfles sucrés, de chardons violacés et de luzernes croquantes. Les vaches, aux yeux de noir cristal, n'avaient pas besoin de farine suspecte, ni de granules tristes et sèches pour être belles. Elle broutait et passait le petit pont toute seule. Et le vacher n'était jamais bien loin, avec sa badine, qui n'effrayait même plus les papillons. Allez! 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 Pour traire leur pie au bord de l'implosion, un ami venait leur palper le flanc dans la touffeur de l'étable. À la fontaine des veuves, la main de l'homme accompagnait la nature dans une connivence mystérieuse. Il y avait une offrande lactée. Il y avait des gestes qui ressemblaient à de la tendresse. Il y avait une délicatesse et une rencontre. Il y avait un regard. Et tout était écrit dans la charte qu'ils avaient rédigée ensemble quand on croyait encore à la belle idée de coopérative, quand on espérait encore qu'on fêterait le centenaire de la laiterie en 2004. Puis, comme si de rien n'était, comme si les portes n'allaient pas se refermer, les vaches repartaient vers leur herbe grasse en dodelinant de leurs lourdes têtes de minotaures des prés, et ce qu'elles mangeaient regonflait leur pis généreux en attendant la prochaine traite. Jusqu'en 2003, la coopérative de la Fontaine des Veuves collectait et transformait 5 millions de litres de lait par an. Avec et pour elle, travaillaient 25 producteurs Charentais-Maritimes regroupés autour de leur président. Deux des sociétaires de la coopérative produisaient du lait de chèvre que la laiterie transformait en fromage. Le laitier enfile plusieurs casquettes. Il est chauffeur routier, mécanicien, technicien, manuel et même topographe. Attentif au moindre hameau isolé, il sait exactement où sont les nids de poules et les raccourcis. Il connaît les 256 habitants de Saint-Pierre-de-Lille, qui lui rendent bien. 28 fermes, 30 000 litres de haies, moyenne, et 300 km.
Le camion du laitier, jusqu'à la fermeture de la Fontaine des Veuves, effectuait sa tournée tous les deux jours, de 2 à 10 heures du matin. Les derniers moments de sa tournée étaient l'occasion de partager des instants de la vie des exploitants, de parler de la pluie et du beau temps, de se requinquer avec un bon café. Désormais, le camion du laitier ne passe plus que tous les 3 jours, ce qui occasionne de nouvelles contraintes aux producteurs. Le laitier connaît aussi les problèmes de l'agriculture. Il contrôle rigoureusement la qualité et la quantité de son produit. Il assure le nettoyage complet de son véhicule. Il prend les commandes de beurre. Et il n'oublie jamais de caresser le petit chat gourmand. Parce que même les céréales, ça rapporte pas grand-chose, mais c'est pas le même boulot. Ouais, c'est des périodes. Les vaches, le matin et soir, c'est de bonne heure. Mais tout c'est le boulot que c'est. Si c'est... Non, c'est trop de boulot. Hein. Le laitier connaît toutes les fermes. Il s'est même fait des amis. Il a ses habitudes. Il est un peu comme le facteur. Il reprendra bien un petit café bien chaud pour la route. Pour les derniers jours de la laiterie, il reviendra livrer le lait collecté. Il regardera machinalement l'écriteau de la Fontaine des Veuves, il fera une marche arrière impeccable, il tirera des mètres de tuyaux qui seront vissés et dévissés. Toujours débonnaire, le laitier grimpera sur la citerne pour une ultime vérification. Il nettoiera, désinfectera, frottera son camion. Il parlera même de l'Europe à ses collègues en blanc en se disant qu'il fera beau demain. Quand le lait arrive en laiterie, il est à nouveau contrôlé. Les normes sanitaires étant ce qu'elles sont, le temps passé à vérifier et à tester le lait, mais aussi les machines, dépasse largement les 35 heures. Le réseau de tuyaux permettant au lait de passer du tank aux centrifugeuses est lui aussi vérifié. Des échantillons sont prélevés. Tout est scrupuleusement noté, rien n'est laissé au hasard. Avant de transformer le lait en beurre, plusieurs étapes sont indispensables. Il faut d'abord écrémer le produit, c'est-à-dire séparer le lait de la crème qui remonte à la surface. Jadis, on laissait reposer le lait quelques heures pour récupérer ensuite la matière grasse. À la Fontaine des Veuves, comme partout ailleurs, on utilise désormais une technique spécifique, à l'aide d'une centrifugeuse écrémeuse. Enfin, le lactose et la caséine, qui favorisent le développement bactériologique, seront mis de côté pour d'autres utilisations. Le beurre est une matière noble et sensible. Il convient donc de le travailler avec la précision d'un horloger. Il faut environ 3 heures pour voir apparaître les premières émulsions de beurre, pour développer les quelques 300 arômes contenus dans le beurre. La maturation est une étape essentielle, permettant d'affiner le goût en incorporant des ferments lactiques sélectionnés. La crème va ainsi mûrir, étoffer la subtilité de ses arômes. Puis, le beurre est agité, de plus en plus énergiquement, de plus en plus rapidement, soudant les particules grasses entre elles. Ce barattage donne naissance aux grains de beurre qui ne feront bientôt plus qu'un immense ruban onctueux libérant un reliquat liquide appelé babeurre ou petit lait qui serviront à l'industrie agroalimentaire. Pour assurer une texture parfaite, le malaxage s'effectue à l'eau pure.
Autrefois sans nitrate, c'est l'eau de la fontaine des veuves qui alimentait la laiterie, qui fonctionnera jusqu'en 2003 avec l'eau courante. Après de longues heures de soins et d'attention de chaque instant, au moment où le beurre, comme on dit, boit son eau, les baraques libèrent enfin la précieuse matière qui sera à nouveau contrôlée, qui subira des tests rigoureux. À la voir, cette matière ressemble à l'ambre d'un fabuleux cachalot qui têterait le ventre du soleil. Les blocs de beurre fascinent et donnent envie de les toucher. Après chaque utilisation, les machines sont lavées et relavées selon les directives de Strasbourg. Mais on se sent un peu triste. Au bout du petit chemin qui mène au pâturage, une veuve pleure les gestes des hommes et des femmes en blanc, comme les ménagères du coin qui venaient acheter directement leur beurre à la laiterie. La veuve pleure, un savoir-faire qui disparaîtra un jour, définitivement. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs, dames. Je voudrais du beurre, s'il vous plaît. Oui. 2 kilos. 2 kilos de pasteurisé. Par rapport aux commandes de beurre, les commandes sont restées les mêmes. 11,90. Même les marchés ont monté un peu, mais c'est quand ils font le beurre, il y a le lait crémé et la crème. La crème sert à faire le beurre, et le lait crémé, ce qu'on appelle le petit lait, c'est lui qui se vend mal, et c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires. Ici, tout était façonné à la main. Le beurre semblait pétri comme une pâte maternelle. Chaque pain de beurre était presque une pièce unique. On contrôlait avec le regard et le doigt. On goûtait même une noisette jaune pour savoir si tessiture et goût étaient au mieux de leur forme. Soucieuse de répondre à la demande des consommateurs, la laiterie proposait du beurre en baratte crue, mais aussi du beurre pasteurisé, du doux, du demi-sel, de l'extra fin et tout cela moulé à la main. Les employés avaient l'avantage d'être polyvalents. Il fallait peser les blocs de lumière, caresser la motte, conditionner les livres de beurre, nettoyer les machines, vérifier les cartons, dater les papiers d'emballage, s'occuper des centrifugeuses et des barattes, honorer les commandes, rajouter du sel de Guérande dans cette motte-là, mouler les fromages, refaire chaque jour les gestes d'antan. Il fallait sentir la matière, la palper, la soupeser pour bien la connaître. Sa couleur, naturellement dorée par le carotène contenu dans l'herbe, son goût du terroir avait réussi à séduire les toques les plus célèbres. Les critiques gastronomiques les plus pointues appréciaient ce beurre de la fontaine des veuves, moulé avec le bois des instruments anciens qui sentaient bon la vie. De toute évidence, ce beurre était le petit Jésus en culotte de velours, et personne là-bas n'aurait affirmé le contraire. Les ouvriers battaient le reste de beurre, le réhumidifiaient, le rebattaient encore, et gardaient l'odeur comme un trésor dans la paume des mains. Jusqu'au dernier jour, on préparait les cartons. Jusqu'au dernier jour, on moulait, on étiquetait, on barattait, on goûtait. On y croyait, tout simplement.
Dans la Bible, le beurre apparaît comme une valeur plus que symbolique. Il est un témoignage d'affection. Il est présenté à l'invité comme un gage d'amitié et de partage. Dès qu'on ouvre la porte de la baraque, c'est l'odeur qui vous remonte, ce beurre vraiment nouveau, là, qui c'est une odeur spéciale, là, hein, c'est appréciable. Demain, le fleuron de la fontaine des veuves sera fabriqué dans les Deux-Sèvres. Son nom sera préservé, mais il manquera un petit quelque chose. Il y manquera un pan de notre histoire. Et du Guéclin viendra pleurer la mort d'un petit chat gourmand, celui qui rôdait près d'une fontaine, aux larmes pures et dures, comme un cristal de roche. C'est une baraque familiale. Elle appartenait à mon grand-père. Alors là, quand la traite était faite, on prenait donc la crème, et puis après toute la crème, on mettait là-dedans. Et alors, il y a des palettes, et alors on tournait, et tournait, jusqu'à temps que le beurre soit fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus arriver à vivre. Je ne sais pas pourquoi. Tout est trop difficile, ou alors je ne sais pas. Je ne comprends plus, moi, d'ailleurs. Je suis peut-être trop vieille. Regret, je ne sais pas. Peut-être tout le regret, hein, en fin de compte. Tout ce que je faisais, tout l'ensemble. Les gens qui m'entouraient aussi. J'avais du monde qui m'entourait. Je n'étais pas la seule, quand même, à faire tourner mes vies. Autrefois, on passait la croûte le matin, là, on se graissait une bonne tartine de beurre et puis avec un morceau d'une sardine ou n'importe quoi, et puis un saucisson ou une tranche de jambon, on grassait bien la croûte, on était heureux. Là. Maintenant, c'est fini. Je trouve cela regrettable que cette laiterie se soit arrêtée. Nous avons perdu une saveur, nous avons perdu un savoir-faire, nous avons perdu un produit du terroir. J'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse faire renaître cette laiterie. C'est-à-dire que je voudrais qu'il y ait encore une petite fabrication qui s'effectue en baratte. Je voudrais que le public puisse voir les beurriers mouler le beurre à la main. Je voudrais que l'on puisse expliquer comment on va du lait de la vache jusqu'au beurre et que le public puisse repartir avec sa motte de beurre sous le bras. Sans pontio dans le fond du vallon, faisant briller ces toitures si neuves qu'on les prendrait pour de jolis jouets, en gazouillant la fontaine des veuves, à s'en passer attache le progrès. Le petit Braille, lui, c'est un philosophe, laissant son frère au fait des honneurs. Il sent en lui d'un poète l'étoffe, dans la verdure, il contente son cœur. Et Pontifo, là-bas dans la prairie, nonchalamment se pose en abrégé.